Emmanuel Schilling, bonjour. Vous êtes gérant du bureau d'études spécialisé à Nemos, qui est un bureau d'études allemand, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez nous présenter son degré d'expertise, son panel de services? Alors, tout à fait. Donc, à la base, à Nemos, c'est un bureau d'études allemand spécialisé en études météorologiques, qui a été constitué en 1990 en Allemagne, donc avec beaucoup d'expérience, qui est reconnu, accrédité par la plupart des institutions bancaires et des grands opérateurs sur le marché allemand. Et nous avons décidé, avec les fondateurs d'Anemos Allemagne, de créer une entité, Anemos France, pour développer le marché français qu'Anemos traitait déjà, hein, en termes d'expertise. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme service? Alors, nous avons effectivement une longue expérience dans tout ce qui est réalisation d'atlas, d'études météorologiques pour le marché éolien et d'autres types de marchés. Alors, pas seulement en Allemagne et en France, mais sur l'ensemble du monde, puisqu'on accompagne les développeurs et les investisseurs sur des projets aussi bien au Chili qu'en Asie, en Afrique, enfin sur l'ensemble de la planète. Grande expérience et je dirais la valeur ajoutée, c'est qu'effectivement on travaille également en réseau, donc on apporte une solution complète sur la mesure du vent. Et donc ça, c'est effectivement important, je pense notamment aux nouveaux acteurs du marché, c'est de pouvoir les accompagner tout au long de la mesure du vent, de l'installation des outils, de la calibration des outils de mesure également, qui est un point important, qui est parfois sous-estimé. Et donc, effectivement, on a ce degré d'expertise en tous les cas. Donc, on a ouvert un bureau très récemment sur Dijon pour le marché français, avec une ambition sur un produit sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Bon, c'est vrai qu'on est typiquement sur tout ce qui est mesure de vent, calcul de productible, pour effectivement pouvoir évaluer la production et les futures retombées pour le parc éolien. Donc plutôt une intervention en aval de la conception des parcs éoliens. Tout à fait. On intervient en tant que conseil vraiment, je dirais, dans les premières étapes de réflexion, y compris de savoir s'il faut aller plus loin sur un projet ou non. Je dirais le premier degré d'étude, c'est effectivement, avant de s'engager sur un développement extrêmement coûteux, c'est à quel stade on va décider d'arrêter ou pas, de savoir si effectivement il faut continuer plus loin, s'il y a suffisamment de potentiel. Alors par rapport à ce qui existe déjà dans ce domaine-là, où est l'innovation que vous proposez? Alors l'innovation aujourd'hui, c'est que généralement pour les développeurs, on a souvent un calcul qui est fait par rapport à un niveau de productible en kilowattheure. Aujourd'hui, on a développé un outil qui est un petit peu particulier, qui va au-delà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en mesure de calculer le rendement, mais économique, du parc éolien. Donc c'est ce qu'on appelle l'Atlas de valeur marchande, qui est en place maintenant depuis un peu plus d'un an en Allemagne, qui a été reconnu par le ministère allemand de l'Environnement comme étape d'étude, et qui permet effectivement de valoriser la production d'un parc en fonction également des prix du marché de l'électricité. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est d'actualité. Effectivement, on parle de plus en plus d'indexation, de rapprochement par rapport au prix du marché. Et donc c'est là-dessus qu'on a travaillé déjà depuis un petit moment pour produire justement cet atlas de valeur marchande pour le marché français. Donc au lieu, pour être trivial, au lieu de vous donner le nombre de mégawattheures que le parc est capable de produire, c'est plutôt de vous dire combien ça peut rapporter en euros. Tout de suite, c'est plus tangible. C'est plus tangible. Je pense notamment aux banquiers, aux autres intervenants financiers. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup justement avec ces acteurs du monde bancaire, parce qu'effectivement, ce ne sont pas forcément des spécialistes. Quand il y a un tarif d'achat qui est connu, qui est fixe, le calcul est relativement simple. Quand on a des prix variables ou des prix de marché, il faut pouvoir effectivement déterminer la valorisation économique du projet. Donc c'est là-dessus qu'on s'est attelé pour pouvoir, avec un degré de résolution assez fin, être en mesure de déterminer à la fois le productible en termes de mégawattheure, mais en termes de rendement économique. Concrètement, ça ressemble à quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est capable d'analyser, je dirais, le projet et de dire, en fonction de l'évolution des prix de marché, en termes d'indexation, effectivement, ce qu'on peut en ressortir éolienne par éolienne. Voilà, donc effectivement, on a une variabilité sur le coût du mégawattheure en fonction des régions, en fonction des besoins, des charges réseau. Donc effectivement, là, c'est une première image d'indexation qu'on a sur le marché français, avec des variabilités en fonction qu'on a un projet qui est situé, on va dire en Alsace, il n'y en a pas trop, mais effectivement, selon le réseau, la capacité
je dirais, du réseau et le prix de gros, de pouvoir effectivement affiner l'ensemble de ces données. Donc là, on a un outil qui est extrêmement précis. Je dirais après, c'est vraiment de la modélisation cas par cas. Je dirais même si la carte est très précise quand même de ce point de vue-là, la résolution est d'autant plus précise quand on analysera le projet en détail. Très bien. Votre cible, c'est principalement donc les développeurs éoliens, si je comprends bien. Alors aujourd'hui, on travaille effectivement avec les développeurs, mais on travaille énormément également avec tous les acteurs bancaires, effectivement, parce que ce type d'outil peut les aider dans la prise de décision de manière indépendante. Donc effectivement, l'idée, c'est de cibler ces acteurs, mais aussi de cibler les développeurs pour aller ensemble avec eux pour le financement du projet avec des données vraiment beaucoup plus précises. Dernière petite question, comparativement à l'Allemagne, dont manifestement la question de l'Atlas est déjà bien connue, en France, on en est à quel stade de développement ? Le stade de développement est très récent, puisqu'on vient de finir l'Atlas au mois d'août. Donc là, on est sur la phase, on va dire, plutôt de commercialisation. Je ne vous cache pas que les acteurs, notamment, qui nous faisaient confiance sur le marché allemand, continuent à nous faire confiance et à faire confiance à cet Atlas sur le marché français. C'est vrai que pour eux, le système a été validé outre-Rhin par le ministère de l'Environnement et de l'Écologie. On a été mandaté effectivement pour travailler sur cet Atlas. Donc effectivement, il y a d'emblée un intérêt de leur part sur le marché français. Et on espère consolider avec les acteurs français, on va dire plutôt typiquement français, pour avancer sur l'estimation de leur projet. Pour ne pas laisser de flou dans la tête de ceux qui nous écoutent, vous parlez de certification au niveau du ministère de l'Environnement allemand. Est-ce que ça veut dire que vous avez besoin ou que vous attendez une certification au niveau du ministère de l'Environnement français ? Non, disons que le projet de recherche à la base, pour rien vous cacher, a été piloté, télécommandé en lien avec le ministère allemand. On est dans une situation au niveau du marché qui est quand même extrêmement différente. Donc effectivement, on a eu besoin de cette collaboration pour la mise en place et la reconnaissance sur le marché allemand. Sur le marché français, pour l'instant, effectivement, c'est plutôt l'expérience qui fera que cet Atlas sera reconnu. Donc concrètement, votre solution est déjà opérationnelle et on peut déjà recourir à vos services. Elle est déjà en place, effectivement, et on travaille déjà avec certains développeurs et certains partenaires bancaires déjà sur le marché français.